Allô, Belinda! Oh, Jacqueline, et vos lunettes? Et puis cette fleur dans vos cheveux? Oui, je me suis faite belle. Je m'en vais au carnaval de Binche. L'année passée, c'était annulé, cause de COVID. Alors cette année, il me tarde de retrouver mes Gilles de Binche, avec leurs plumes que... Vous êtes sûre que le carnaval de Binche est maintenu cette année? Oui, oui. Moi, il m'est venu aux oreilles que non. Si, si. Ah, attendez, Belinda, j'ai un double appel. Ah, Marlène, tu tombes bien. Dis à tout hasard, est-ce que tu sais si le carnaval de Binche est maintenu? Annulé? Et pourquoi ce fait-ce? Le Gilles de Binche aurait tous attrapé le Covid? Ah, regroupement de foule! Impossible pour la police de contrôler tous les Covid safety kits de tout le monde. À mon avis, ils ont surtout peur de se prendre des oranges dans la face à force de mettre des prunes. Ce serait bien fait pour leurs pommes, hein? À force de nous prendre pour des bonnes poires. Enfin, on est encore une fois marrons, quoi. Ah! Le bal est maintenu! Si on garde les distances sociales, les slows sont interdits. Et toutes les danses où on se touche. Non mais c'est une blague ou quoi? On doit danser toute seule, quoi. On va finir aussi par devoir se marier toute seule s'il continue. Comment ça, masque obligatoire? On est masqué toute l'année. Alors dans la bonne logique des choses, pour autant qu'il y a encore une logique, j'aurais pensé qu'on pouvait faire exception pour le carnaval. Oui, je te laisse, Marlène, hein, je suis énervée. Oui, oui, à toute, Marlène. Belinda! Oui, Jacqueline? Oui, tu avais raison. C'est terrible, hein, avec toutes ces fêtes annulées, j'en perds tous mes repères. Hein. Depuis le Covid, je ne sais jamais plus l'année qu'on est. Eh oui, Jacqueline, mais grâce à votre melting pot du dimanche, on sait au moins le jour qu'on est. Oui, ça, tu as raison, Belinda. Pas d'annulation prévue. On se tient chaud. Allez, à dimanche prochain. Fidèle au poste.